connaît la révolution russe de 1917, bien sûr, dont nous commémorerons le centenaire l'année prochaine, mais il y eut une autre révolution en Russie au début du XXe siècle, c'est celle de 1905, qui est un épisode oublié, bien sûr, aujourd'hui, qui est un épisode à propos duquel on est souvent tombé dans une lecture erronée sur la base d'un certain nombre d'idées reçues, en mettant en place toute une téléologie, en présentant cette révolution de 1905 comme la répétition générale avant celle de 1917, comme la première révolution russe, en faisant une révolution ouvrière, là où cette dimension est à l'évidence assez secondaire, en tout cas n'est pas prédominante, hein, dans un pays où, qui compte 160 millions d'habitants à l'époque, il y a seulement 3 millions d'ouvriers. Cette révolution russe de 1905, elle débute au mois de janvier, avec le fameux Dimanche rouge, épisode particulièrement dramatique qui ouvre une crise politique, sociale, qui va s'étendre pratiquement sur une année entière. Ce Dimanche rouge, c'est le 9 janvier 1905. Attention, le 9 janvier, c'est la date du calendrier julien. Pour notre calendrier grégorien, c'est le 22 janvier. Mais les diverses dates que j'évoquerai dans mon propos, ce seront les dates du calendrier julien qui sera abandonné seulement après la Révolution par les nouveaux maîtres de la Russie après 1917. Un tableau général du contexte dans lequel ces événements vont se dérouler. Le tsar Nicolas II est arrivé au pouvoir en 1894. Il est monté sur le trône à la mort de son père Alexandre III, celui qui avait conclu avec la France l'alliance franco-russe. Ce tsar Nicolas II, on le connaît bien, je renvoie à la biographie d'Hélène Carrère d'Encausse, à la biographie récente de notre ami Jean Descartes qui est venu la présenter ici. On voit à peu près quels sont les traits de caractère du tsar, qui hésitant, qui n'a pas les qualités d'autorité et d'esprit de décision qui caractérisaient son père. Mais Nicolas II arrive au pouvoir dans un contexte qui paraît pourtant très favorable pour la Russie. C'est un pays qui connaît une expansion démographique spectaculaire. C'est un pays qui connaît une croissance économique qui l'est tout autant, de manière tout à fait explicable. La Russie, c'est un immense espace avec d'immenses ressources. La Russie, ce sont des hommes en grand nombre qui vont fournir la main d'œuvre nécessaire. C'est un pays avancé et développé à beaucoup d'égards, car elle a fait la révolution des Lumières, elle a une tradition scientifique, technique, tout à fait significative. Et en plus, la Russie, on le sait, bénéficie de l'afflux des capitaux étrangers, notamment les capitaux français, d'autant plus encouragés à se tourner dans cette direction que l'alliance franco-russe est une dimension évidemment décisive des relations européennes à l'époque. Donc une croissance spectaculaire, de nombreux voyants qui sont au vert, mais cela dit, un certain nombre de contestations du régime, du système, contestations libérales du fait de l'opposition qui s'est progressivement formée dans les Zemstvo, ces assemblées locales qui avaient été créées par le tsar réformateur Alexandre II. Contestation étudiante, l'intelligentsia a toujours été un foyer d'opposition, de contestation dans la Russie du XIXe siècle. Et ces étudiants, certains d'entre eux ont rejoint le courant socialiste révolutionnaire qui reste actif. L'assassinat du tsar Alexandre II en 1880, quelques années plus tard l'assassinat de Stolypine, donc un foyer d'opposition sérieux, une agitation paysanne aussi, dans des campagnes qui sont en passe d'être surpeuplées, le besoin de terre, l'aspiration à la réforme agraire crée là aussi une contestation chronique, et puis à partir surtout de 1903, on voit se multiplier les grèves ouvrières dans un pays où la toute
toute nouvelle classe ouvrière se trouve dans une condition très difficile, avec une absence totale de législation sociale de manière générale. Alors, pour venir aggraver en quelque sorte ces contestations, ces diverses tensions, en janvier 1904 a commencé la guerre russo-japonaise, avec l'attaque surprise des Japonais lancée contre la base russe de Port Arthur au nord-est de la Chine. Et cette guerre commence mal, les Russes subissent des défaites en Mandchourie, un théâtre d'opérations très lointain, les transports par le Transsibérien débutent tout juste, la voie ferrée est tout juste terminée à une voie, et le général russe Kuropatkin, face au général japonais Nogi, va subir un certain nombre de défaites, au point que en décembre 1904, eh bien, Port Arthur, qui a subi un siège de plusieurs mois, presque un an, Port Arthur va être finalement pris par les Japonais. Donc, on le voit, un contexte général qui est quand même difficile. Face à cela, le régime a des armes, hein, il a un pouvoir policier, un pouvoir coercitif qui demeure puissant. Hein. Vous avez un ministre de l'Intérieur, Vyacheslav Konstantinovich Plev, qui est un redoutable spécialiste du maintien de l'ordre, mais il sera assassiné en juillet 1904, hein, ce qui donne un petit peu une idée du climat de l'époque, hein, Plev qui avait laissé faire en particulier les pogroms qui permettaient de défouler un petit peu la colère populaire, le pogrom de Kishinev avait indigné l'opinion mondiale quelques mois plus tôt. Celui qui lui succède, le prince Sviatopolsk-Minsky, c'est quelqu'un qui est plus libéral, qui manifeste des intentions d'ouverture par rapport aux diverses oppositions, oui, mais ça ne servira en rien le pouvoir, car c'est perçu en fait comme un signe de faiblesse par les opposants. Alors c'est dans ce contexte-là que tout va commencer en janvier 1905. Tout commence par une grève, comme ça sera le cas d'ailleurs en février 1917. Une grève à Saint-Pétersbourg, des ouvriers sont licenciés dans les grandes usines Poutilov, leurs camarades se mettent en grève pour obtenir leur réintégration. 12 000 ouvriers d'abord qui sont en grève, et puis les autres entreprises, ceux des autres entreprises se solidarisent avec eux. Il y a bientôt plus de 200 000 grévistes dans la ville. Donc une affaire, on le voit, tout à fait considérable, spontanée dans une très large mesure. Hein. Il n'y a pas derrière de mouvement révolutionnaire organisé qui commande, qui planifie tout cela. Il y a un personnage qui joue son rôle à ce moment-là, c'est le pope Gapone, qui était un pope aumônier des prisons et qui était un peu un intermédiaire avec tout ce mouvement ouvrier, tout ce mouvement social qui s'était développé. On apprendra plus tard qu'il était un agent, un informateur, disons, de l'Okhrana, la police secrète tsariste, mais il va lancer l'idée d'une procession, d'un cortège qui se dirigerait vers le palais d'hiver pour obtenir du tsar les réformes attendues pour mettre fin à cette crise qui s'est ouverte avec ses grèves. Mais à ses côtés, certains éléments sociaux-démocrates, hein, le parti social-démocrate est divisé à l'époque entre bolcheviques et mencheviques. Les bolcheviques, majoritaires dans un congrès qui s'est tenu à l'étranger, sont en fait minoritaires dans le pays. Ce sont les mencheviques plus modérés qui sont la force principale. Et ils vont faire en sorte que l'on demande au tsar des réformes politiques au-delà du règlement de la simple crise sociale qui était en cours, hein, avec notamment la revendication d'une constitution, la revendication du suffrage universel, etc. C'est évidemment irrecevable pour le tsar, qui de toute manière est parti pour sa résidence de Tsarskoye Selo. Mais le 9 janvier, des dizaines de milliers de manifestants se dirigent donc vers le palais d'hiver, portant des portraits de Nicolas II, derrière des croix, des icônes, de nombreux popes participent au mouvement. On arrive à proximité du palais d'hiver, la troupe a reçu des ordres stricts, elle ne doit pas laisser s'approcher ces manifestants qui ne tiennent pas compte des sommations, qui continuent à avancer. Et la troupe tire, la cavalerie qui était rassemblée là charge, il y a
des dizaines, voire des centaines de victimes, on n'a jamais connu le bilan exact, c'est le fameux dimanche rouge ou le dimanche sanglant qui va semer évidemment la consternation dans l'opinion, toute cette masse pacifique qui se tournait vers le tsar, considéré comme le père du peuple, qui est ainsi accueilli à coups de fusil. Alors il va y avoir une vaste réaction contre le système autocratique qui va se développer, il va y avoir des grèves dans 122 villes, des régions industrielles comme le Donbass en Ukraine sont évidemment touchées, les chemins de fer sont également en grève, et on voit même ça et là des révoltes paysannes se produire. Quelques jours plus tard, le 4 février, à l'intérieur du Kremlin, le grand-duc Serge est assassiné, hein, ce qui donne une idée de la violence à laquelle on est arrivé. Il était gouverneur de Moscou, il est remplacé par le général Trepov, qui est un dur, qui entend rétablir l'ordre manu militari, donc on le voit, on n'est pas prêt de sortir de la confrontation. Certes, le nouveau ministre de l'Intérieur apparaît plus libéral, c'est un certain Bouliguine qui est sur le point d'annoncer la création d'une assemblée consultative, d'une Douma consultative, hein, à travers un rescrit impérial promulgué le 18 février. Mais le tsar, après avoir donné son accord, recule et publie un manifeste selon lequel il veut d'abord extirper les racines de la rébellion avant de passer à la réforme. Alors, on le voit, la situation empire. Ce qui ne va pas arranger les choses, c'est l'annonce de la défaite de Mukden en Mandchourie. Hein. Alors, une défaite, il faut nuancer. Les forces russes ne sont pas détruites, elles se replient en bon ordre, et les Japonais ne sont pas non plus forcément en mesure de poursuivre plus avant. Hein. Donc, ce n'est pas la défaite écrasante qui a pu être évoquée, mais en tout cas, l'échec est quand même confirmé de manière générale sur ce théâtre d'opération de la guerre russo-japonaise. Et puis alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que quelques semaines plus tard, en mai 1905, c'est l'annonce du désastre de Tsushima. La flotte russe qui avait quitté les ports de la Baltique pour un voyage tout à fait extraordinaire, qui l'avait fait passer par le Cap de Bonne-Espérance, l'Indochine française, etc., pour s'engager finalement dans le détroit de Corée, tombe sur la flotte japonaise de l'amiral Togo, et la flotte russe de l'amiral Rozhestvensky, eh bien, elle va être entièrement envoyée par le fond, 12 cuirassés, 8 croiseurs, 9 torpilleurs, c'est un désastre sans précédent. Ce qui fait, évidemment, ce qui va avoir pour conséquence d'entamer encore plus le prestige du régime, le prestige de la monarchie. On a même des mutineries maintenant qui commencent à éclater sur les côtes baltes, à Riga, à Libao, et puis à la mutinerie célèbre évidemment du cuirassé Potemkin, immortalisé par le film de Serge Eisenstein. Alors on lui a donné une importance considérable, ça a pris la dimension d'un mythe fondateur pour le régime soviétique qui suivra, et pour tout le mouvement communiste au-delà. Hein. En réalité, il y a seulement 7 victimes, dont le commandant Golikov, et puis les mutins du Potemkin ne vont pas s'associer à l'insurrection d'Odessa qui se développe en juin 1905, insurrection brisée par les Cosaques, hein, au prix d'environ un millier de victimes. L'escadre de Sébastopol ne se rallie pas non plus aux mutins, ça reste donc quelque chose de tout à fait local, et l'histoire se terminera, on le sait, dans le port roumain de Constanza. Donc, un événement certes considérable, mais qui aura plus la dimension d'un mythe fondateur que celle d'un événement jouant un rôle déterminant dans les événements de 1905. Par ailleurs, l'agitation générale persiste, se confirme dans l'ensemble de l'Empire, sans que tout cela soit organisé et planifié. Hein. On sait comment, en 1902, dans Que faire, Lénine a mis en place ou a imaginé une stratégie d'organisation centralisée d'un parti qui serait l'avant-garde de la classe ouvrière, qui serait en mesure justement d'exploiter une situation comme cela, floue, incertaine. Ben là, effectivement, là, ce parti, il n'est pas au rendez-vous. Hein. Cela dit, ces événements
permettent à toute une classe moyenne, aux professions libérales de s'organiser en un certain nombre d'unions qui vont déboucher ensuite sur la création du Parti constitutionnel démocrate, sur le renforcement de l'opposition libérale au régime. On va voir également les socialistes révolutionnaires développer leur influence dans le milieu paysan. Tout leur discours favorable à la réforme agraire reçoit un accueil évidemment très positif dans les campagnes. Et puis, dans le milieu ouvrier, on voit aussi les sociodémocrates commencer timidement à l'organiser là où c'est possible. Mais ce qui est clair, c'est que les partis socialistes, les socio-révolutionnaires, comme les sociodémocrates d'inspiration marxiste, sont des partis d'abord semi-clandestins ou carrément clandestins, et qui suivent le mouvement sans être en mesure de l'organiser, de l'orienter, de le diriger. Entre-temps, la paix est rétablie avec le Japon. Le traité de Portsmouth dans le New Hampshire est signé en août 1905. Hein. C'est le comte Veitch qui représente la Russie, le baron Komura, le Japon. Tout cela a été rendu possible par la médiation du président américain Theodore Roosevelt. C'est quand même assez humiliant tout ça pour la Russie. Le régime n'en est que plus discrédité. Port Arthur, la base russe qui était l'orgueil de la présence russe au nord-est de la Chine est perdu, ainsi que le chemin de fer sud-mandchourien qui aboutissait à Port Arthur. L'île de Sakhalin, sa partie méridionale, passe au Japon, hein, et la Russie est obligée d'accepter le principe d'un protectorat japonais sur la Corée. Alors ça commence effectivement à faire beaucoup quand on arrive à l'été 1905, ça explique une accumulation des mécontentements et des oppositions par rapport au régime. Alors le 6 août, le tsar timidement évoque encore une douma consultative simplement, alors que les opposants réclament eux une douma, une assemblée nationale constituante élue au suffrage universel. La situation paraît encore bloquée, elle est relancée avec la grève générale qui se déclenche en octobre, ça commence à Moscou chez les imprimeurs. Ensuite, les cheminots vont paralyser à leur tour les voies ferrées. On voit même certaines minorités nationales commencer à se manifester et à présenter un ensemble de revendications. C'est vrai pour les Finlandais, pour les Baltes, pour les populations du Caucase. La situation, donc, on le voit, commence à devenir carrément préoccupante. Et à ce moment, le tsar va se résigner à faire appel au comte de Witt, Sergueï Iouliévitch Witt, qui a été le négociateur de la paix avec le Japon, qui est un homme tout à fait lucide quant à la situation de la Russie. C'est un de ceux qui ont accompagné sa remarquable croissance économique au cours des années précédentes. Et Witt va rédiger le manifeste que le tsar va présenter le 17 octobre, un manifeste par lequel il garantit le respect des libertés fondamentales, l'élection d'une douma législative au suffrage universel, hein, c'est-à-dire l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, hein, dans laquelle le gouvernement demeure cependant nommé par le tsar. L'opposition, de fait, va se trouver divisée. Les constitutionnels démocrates, les libéraux sont plutôt satisfaits. Quelques réformes vont calmer l'agitation des campagnes. C'est le prolétariat ouvrier, finalement, qui va se retrouver isolé, d'autant que la branche bolchevique des sociodémocrates décide de refuser les élections prévues en 1906. Hein. Alors, il y a encore quelques mutineries à Kronstadt et à Sébastopol. Un soviet s'est constitué à Saint-Pétersbourg, dès février 1905, sous la direction d'un certain Nossar, dit Khrustalov, qui était un menchevique, soviet boycotté par les bolcheviques à l'origine, hein, soviet finalement dispersé quand on arrive à l'automne. Trotsky, un menchevique proche des milieux révolutionnaires juifs du Bund, Trotsky va devenir le président à 26 ans de ce soviet. Il va être arrêté à son tour et ce soviet va disparaître jusqu'à sa résurrection en février 1917 avec les conséquences que l'on sait à ce moment-là. Il y avait un soviet qui s'était constitué aussi à Moscou, dominé lui par les bolcheviques, et là il
il décide de faire le choix carrément de l'insurrection. Les quartiers ouvriers de Moscou se soulèvent, se couvrent de barricades et tout. Le général, le gouverneur général Dubassov va se charger d'écraser le mouvement au prix d'un millier de morts environ. À ce moment-là, à la fin de 1905, en décembre 1905, on peut considérer que la révolution est brisée. Alors, la Russie s'est dotée théoriquement d'une monarchie constitutionnelle, mais on sait bien qu'au cours des années suivantes, en jouant sur la loi électorale, le tsar va dans une grande partie neutraliser ce pouvoir, ce nouveau pouvoir parlementaire, hein, et puis aboutira ainsi à un parlement, celui qu'on désignera sous le nom de Douma des seigneurs, qui lui sera totalement acquis. Mais en fait, évidemment, le problème politique de cette Russie demeurait si longtemps autocratique, il n'est pas réglé donc quand on arrive à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu sulfureux, la prostitution, le plus vieux métier du monde. C'est quand même de l'histoire, après tout. Hein. Ben, ça remonte effectivement à la nuit des temps. Et par exemple, si on s'intéresse à Rome, ou à l'Empire romain, on a un lupanar, puisque c'était le nom romain, à Pompéi. Et ce lupanar est resté quasiment en l'état. Si ce n'est que des bonnes âmes un peu effarouchées au XVIIIe siècle ont effacé des graffitis et des fresques érotiques, ce qui est quand même très dommage, parce qu'il nous reste 120 graffitis, notant les prestations, notant certaines des dames, et c'est très intéressant de voir que eh bien, ce lupanar était dans la rue principale de Pompéi, surmonté d'un phallus, mais... Il y avait même des boulangeries qui avaient un phallus sur leur, comme enseigne, donc ce n'était même pas spécifiquement un signe de ralliement, si j'ose dire. Alors, c'était plutôt bien vu par les Romains, et même Caton l'Ancien, hein, qui n'est pourtant pas un rigolo, Caton l'Ancien, dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ, disait « Dès qu'un violent désir leur a gonflé les veines, c'est là que doit aller un jeune homme plutôt que d'épuiser les femmes d'autrui. » Et ça, on va le retrouver pendant toute l'histoire. C'est pour protéger les honnêtes femmes, en fait, c'est un mal nécessaire. Alors, je vais me concentrer maintenant sur la France. Au Moyen-Âge, traditionnellement, les dames prostituées se retrouvent dans les étuves. Et les étuves finissent par avoir une très, très, très mauvaise réputation. Et il faudra notre bon roi Saint-Louis pour essayer d'arrêter ça. Donc, Saint-Louis va dire non, ça, c'est plus possible. Elles sont trop mélangées dans Paris. Et une ordonnance va les, de 1256 va les repousser en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste, et elles s'installeront en bord de l'eau. Ce seront des dames bordelières, d'où viendra le mot « bordel », bien sûr. Sous Louis XI, il y a une tentative de répression, puis c'est toujours une alternance répression et réglementation, tout le temps. Et puis arrive la vérole, la syphilis. Alors là, évidemment, ces endroits malfamés sont mal vus. On commence à se dire que c'est un vrai danger. Louis XIV va être assez répressif. Hein, Nicolas de la Reynie, le lieutenant de police, crée un département des demoiselles. C'est mignon, hein, je ne peux pas dire. Mais si elles sont attrapées, elles sont envoyées à la Salpêtrière, voire plus loin. Par contre, au moment de la Régence, alors là, c'est devenu tout à fait bien vu d'aller fréquenter les maisons closes. D'ailleurs, les tenancières sont des dames qui comptent dans Paris. Alors, on a la dame Babet, on a Justine de Paris, ça évoque ça, bien sûr. On a la Gourdan, on a la petite comtesse, et puis la célèbre Dervilleux. Dervilleux qui finira par épouser le grand architecte Béranger, qui lui a fait un bordel avec des plans tout à fait nouveaux, bien adaptés. C'était rue Chantereine. Et on se rend compte qu'au XVIIIe siècle, les architectes s'intéressent au projet. Et des grands architectes, par exemple, Claude-Nicolas Ledoux, vous savez, arc-en-ce-nant bien connu, eh bien, il va faire des plans pour une maison close, des plans absolument magnifiques. Je vous rassure, ça n'a jamais été exécuté. Mais comment dire, le plan est en forme de phallus,
avec des petites cellules le long d'un atrium central, et ça s'appelle l'Oikeima, le temple du plaisir. Il y a un autre personnage qui va s'intéresser au plan des maisons closes, c'est Rétif de la Bretonne, un petit peu plus sulfureux. Alors lui, il imagine un Parthénion, Parthénion et non pas Parthénon, moderne, où tout est organisé, tout est fait pour l'hygiène, le calme, la volupté et le côté pratique aussi, puisqu'il y a une vie de ces femmes dans ce Parthénion, et il y a même une crèche pour les bébés, évidemment inévitables, qui vont naître. Bon, ça ne sera pas fait non plus. Lui, il avait même envisagé différents niveaux suivant la beauté des filles ou la fraîcheur. Donc, plus elles étaient belles, plus elles avaient des belles pièces. Et puis, plus quand elles étaient moins fraîches, elles étaient au fond ou voire à la cave. On arrive à la Révolution. La prostitution fleurit. La Révolution n'arrête pas les affaires. C'est surtout autour du Palais Royal, le fameux café des aveugles, où ils s'en passaient. Heureusement qu'ils étaient aveugles. Et puis, c'est l'Empire. Enfin, c'est d'abord le consulat, 1802. Première législation en 1802, les filles doivent être encartées. Quand elles ont une carte professionnelle, ce sont ce qu'on appelle des filles soumises. Et celles qui refusent d'être comme ça encartées sont dites insoumises et risquent la prison. Et les filles soumises sont soumises, c'est le cas de le dire, à deux visites médicales par mois. C'est la première fois qu'on voit ça. En 1830, elles sont interdites de racolage dans la rue, donc c'est forcément en maison. Et il y a une étude très sérieuse d'un certain monsieur Parent du Châtel qui explique extrêmement doctement que... La prostitution, c'est un peu comme une machine à vapeur, et que s'il n'y a pas de... Enfin, ça correspond à la soupape de sécurité, parce qu'on risque l'explosion du désir dans les rues de Paris, et que donc c'est très bien. Puis il considère aussi que c'est un peu comme les égouts. C'est très utile, mais il vaut mieux que ça soit caché, qu'on n'en parle pas, que ça ne se voit pas. Enfin, le 19e, ça va être l'âge d'or des maisons closes. En 1840, on compte 200 maisons closes dans Paris. Alors, toujours un peu sur le même principe, il faut que la maison soit fermée, qu'on voit très peu de choses de l'extérieur, que les volets soient fermés. À propos, j'avais oublié de vous dire que c'était Saint-Louis qui avait inventé la lanterne rouge. Hein. Comme quoi, Saint-Louis, il était pratique aussi. Alors, évidemment, un gros numéro, hein, on appelle aussi les filles à numéro, un gros numéro sur la façade, mais c'est tout, volet fermé. À l'intérieur, les plans sont toujours un peu du même type. Il est question de beaucoup de couloirs, de détours, de corridors, d'étages, de demi-étages, de petites pièces. Il faut que l'homme qui rentre là ne se sente plus du tout dans Paris, mais qu'il soit dans un autre monde et qu'il doit... Vous savez la fameuse phrase, c'est en montant l'escalier, etc. Ben voilà, il doit monter plein d'escaliers, faire des détours pour oublier ses soucis finalement avec le salon de présentation où ces dames présentées par la tenancière, car c'est forcément une femme qui tient une maison close, forcément, même si elle n'en est pas propriétaire, c'est la tenancière. Il est interdit aux hommes de travailler là, mais ce sont toujours des hommes qui sont propriétaires. Alors, c'est très organisé. Les filles ne se font pas beaucoup d'argent parce qu'en fait, elles payent tout. Elles payent leur logement, leur nourriture, les produits d'hygiène, savon, serviettes, etc. Et elles redonnent 60% de leurs gains à l'établissement. Donc, on ne fait pas d'économie quand on est prostituée dans une maison close. Mais on peut vivre très bien. Certaines sont très luxueuses. Le Chabanais, c'est la plus célèbre des maisons de Paris au XIXe siècle et au début XXe siècle. C'est même une fierté nationale. Hein. Pendant les expositions universelles, on envoie les représentants des pays étrangers au Chabanais, et dans l'agenda, il est marqué traditionnellement visite au président du Sénat. Alors le Chabanais, c'est extraordinaire, c'est d'un luxe écrasant. Il y a différentes salles, bien sûr, différentes chambres. Alors, il y a la chambre ducale, il y a la chambre nippone qui aura le premier prix à l'exposition universelle de 1900. Premier prix de quoi? Je ne sais pas, peut-être d'architecture intérieure. Enfin, on peut choisir son univers. Certains, comme le Wan Tutu, ont même une chambre atlantique qui bouge et avec des hublots par lesquels entre de l'eau de mer. Voilà, pour les tordus
qui aimerait l'amour en mer. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Les maisons de rendez-vous font vraiment la fierté de Paris. Alors, bon, les plus chics, je dis, c'est le Sabanais, c'est le One Tutu, c'est le Cardinet. C'est le Montyon, 7 étages le Montyon. Alors là, il faut vraiment grimper l'escalier. Le Colbert, la rue des Moulins, le 6 rue des Moulins, où Toulouse-Lautrec vivait même carrément pendant un moment. Il y a aussi des maisons beaucoup moins gaies, qui sont des maisons d'abattage. Par exemple, le Fourcy, hein, ça c'est vraiment de l'abattage. Il y avait 52 femmes, une trentaine de passes par jour. Le dimanche, elles ont 15. C'est quand même un petit peu de religion qui restait. Le 106 boulevard de la Chapelle, alors là c'est terrible, parce que c'est réservé aux troupes coloniales, donc en gros aux Noirs et aux Nord-Africains. Les femmes, là, sont les moins belles, les moins fraîches. En fait, elles descendent dans la hiérarchie. Elles passent d'une maison très, très luxueuse à une maison bourgeoise, puis finalement à une maison d'abattage. Y a des petits détails terribles, parce qu'on a des fiches de police, on a des dossiers historiques complets sur le sujet. Et c'est très intéressant de voir le détail, par exemple, des visites médicales, le détail aussi de l'installation. Par exemple, les Français au 106 boulevard de la Chapelle, ils ont droit à des draps. Les autres, c'est-à-dire les Arabes et les Nord-Africains, ils ont droit qu'à des alaises. Bon. Pendant la guerre, la Wehrmacht va se réserver les 6 plus beaux bordels de Paris. Ça va très bien se passer. Tout le monde est content. Par contre, à la Libération, les GI vont mettre un bazar pas possible, à tel point que ça sera la loi Marthe-Richard en 1946. On ferme les maisons closes. Ce qui est pire qu'une faute, c'est un pléonasme, dira Guitry, je crois. Après, ben c'est l'histoire récente. En 1975, les manifestations dans les rues des prostituées qui veulent la sécurité sociale. Eh ben oui, Madame Claude, qui devient une alliée de l'Élysée, hein, elle fera partie là aussi des gens importants. Et puis en ce moment, ben c'est après le Minitel, c'est Internet, où c'est les tristes spectacles que l'on voit dans les bois de Vincennes et de Boulogne. On regrette le temps du Chabanais. Oui, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Reynald Secher, historien bien connu, spécialiste de l'histoire vendéenne. C'est lui qui a popularisé, il y a déjà une trentaine d'années maintenant, le terme de génocide vendéen, avec la bénédiction d'ailleurs de Pierre Chaunu, quand il a publié sa thèse consacrée au village de la Chapelle Basse-Mer, qui avait été victime des exactions des Bleus pendant les guerres de Vendée. Il a poursuivi ses recherche dans ce domaine et a introduit un nouveau concept, si l'on peut dire, il y a peu, c'est celui de mémoricide. Non seulement les populations vendéennes ont subi des massacres épouvantables durant la période 1793-94, mais de plus, tout cela a été couvert ensuite par une chape d'oubli qui a duré pratiquement 2 siècles. Il a fallu en fait le bicentenaire des événements de Vendée en 1993 et un colloque qui a fait date à La Roche-sur-Yon, organisé par Philippe de Villiers, pour réactualiser en quelque sorte cette question, lui redonner la place qui lui revenait. Mais je crois que ces combats pour l'histoire et pour la mémoire, dont vous êtes un spécialiste, Reynald Secher, ne sont pas terminés, et vous vouliez nous entretenir d'un combat beaucoup plus récent, une question qui est passée tout à fait inaperçue aux yeux du grand public, mais qui vous tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'une bataille pour la toponymie, ce qui recouvre tout un ensemble de questions, de défis face auxquels il est tout à fait légitime et nécessaire de réagir. Ah oui, la toponymie révèle l'identité d'un village, et l'addition des noms des paroisses puis des communes ont fait l'identité nationale. Mmh. Et l'idée qui est en cours à l'heure actuelle, c'est que dans le cadre des regroupements de communes qui s'expliquent pour des raisons diverses, notamment financières,
eh bien, on laisse le choix aux communes regroupées de se donner, de se choisir des noms. Et en fait, lorsqu'on fait bien attention, on se rend compte que l'on fait n'importe quoi en la matière. Et j'ai été confronté à ce problème dans le cadre de ma commune natale, la Chapelle-Basse-Mer. Le nom de la Chapelle-Basse-Mer est un très joli nom, c'est un nom ancré dans l'histoire. Cette commune fait partie de la Bretagne, d'ailleurs c'est une commune à la frontière de la Bretagne du côté breton et frontière avec la France. Et cette commune est née dans le cadre du grand défrichement du 10e, 11e, 12e siècle. Et en fait, c'était l'implantation d'une chapelle, capa, lieu où est déposée une relique, en l'occurrence un morceau du voile de la Vierge, le voile étant dans la cathédrale de Chartres. On a coupé un petit morceau et on a implanté dans le cadre d'une terre du seigneur Bassamarus, une chapelle. Et donc, on allait à la chapelle du seigneur de Bassamarus, qui était à la frontière franco-bretonne. Cette commune a une histoire très importante. Et en plus, ça a été l'objet, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une thèse qui a permis, grâce à la reconstitution de ce puzzle historique local, la reconstitution de la réalité des événements qui s'étaient passés entre 1789 et 1794. Et là, grâce à cette étude qui a été initiée par le professeur Jean Meyer, on a compris ce qu'avait été, en fait, ce qu'on appelle improprement les guerres de Vendée, ce qu'a été l'extermination locale d'une population donnée qui a été exterminée non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle était. C'est parce qu'elle était vendéenne que l'on a exterminée. Et grâce à la découverte des registres de paroisses clandestins rédigés par le recteur local, l'abbé Pierre-Marie Romain, on a pu enfin avoir une idée du nombre d'habitants exterminés. Et c'est là où on s'est rendu compte que pour 3250 habitants, 800 habitants au minimum avaient été massacrés, dont 80% de femmes, d'enfants et de vieillards. Et puis, la deuxième découverte au sein de ce village, c'est la découverte du nombre d'habitats détruits. Et comme à l'époque, mon arrière-arrière-grand-père était le notaire, on a pu valoriser cet habitat. Et on s'est rendu compte que 51% de la valeur de l'habitat existant avait été détruite et que tout ça n'avait pas été l'objet du fruit du hasard, comme on a voulu le dire pendant très longtemps. Tout ça avait été programmé au plus haut niveau de l'État, notamment au sein du comité de salut public. Donc on avait une vue parfaite de ce qui s'est passé et on a créé une méthode qui nous a permis de mieux comprendre ce qui s'était passé sur l'ensemble du territoire de la Vendée militaire. Donc la Chapelle Basse-Mer était vraiment au niveau scientifique un carottage extraordinaire. Dans le cadre d'un regroupement de communes, les maires qui n'ont aucune conscience de ce qu'est l'histoire, et bien entendu de l'identité, ont décidé de donner un nouveau nom, qui est un nom absurde, qui n'a absolument aucun sens, puisqu'on lui a donné un nom débile, on peut le dire, vous allez voir pourquoi, Divat-sur-Loire. Alors Divat, c'est le nom d'une petite rivière qui est d'ailleurs marquée la frontière entre la France et la Bretagne, mais cette rivière, elle est morte 6 mois sous Toulouse. Et sur Loire, c'est terrible localement parce que la Loire, c'est le fleuve qui draine la commune de la Chapelle-Basse-Mer, mais c'est terrible localement parce que c'est à partir de ce fleuve qu'on a massacré une bonne partie de la population grâce à la flottille qui était sur la Loire. Puis deuxièmement, on a noyé des dizaines, voire des centaines d'habitants locaux au sein de cette loire. Donc c'est un nom extrêmement mortifère, ce qui a provoqué un certain nombre de réactions au sein de la population et un certain nombre d'habitants m'ont demandé de prendre la tête de la révolte. Alors comment se révolter? Comment dire non? Alors on a fait une pétition, 1000 pétitionnaires sur 5000 habitants, le maire n'en a pas tenu compte, le préfet non plus. Et donc on est allé devant les tribunaux, et le tribunal administratif, et le conseil constitutionnel, et en étudiant ce problème grâce à un grand juriste,
Eh bien, on s'est rendu compte que les noms des communes en France étaient protégés puisque cela faisait partie de l'histoire immatérielle et donc était protégé par l'UNESCO. Et donc, pour la première fois, eh bien, on a porté cette affaire devant la justice. Et donc, le procès, va durer un certain nombre de mois et j'espère qu'on fera jurisprudence et que là, cela suscitera un certain nombre d'autres réactions, d'autres procès pour la défense, tout simplement, de notre identité locale. – Et le maire de l'agglomération en question, de la commune en question, il appartient à quel parti ?– Ce n'est pas une question de parti, elle est dans cette idée, il faut créer l'homme nouveau, l'espace nouveau, etc. Cette idée, il faut tuer l'identité, ce qui est très, très surprenant. Oui, ce qui est surprenant, c'est tout le discours qui a été créé en place en disant il faut créer une identité nouvelle, etc. On ne sait même pas ce que c'est une identité. Ça se décide pas. Alors évidemment, ça a des coûts locaux énormes, ne serait-ce qu'au niveau des commerçants, des industriels, etc. Parce que vous savez, créer un nom, ça demande du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'argent. Donc il faut tout refaire. Et c'est les commerçants, les artisans, l'ont dit, l'ont fait savoir, mais en fait en vain. On ne peut rien faire contre la bêtise. Oui, dans le même registre, nous avons un maire de Mantes-la-Jolie qui a fait l'intention, il y a quelques années, de débaptiser Mantes-la-Jolie, ce qui faisait oublier l'origine de cette épithète. C'est Henri IV, n'est-ce pas, évoquant Gabriel d'Estrées. Et ça serait devenu quoi ? Mantes-en-Yvelines, ce qui était une rupture stupide, inutile, avec toute une histoire. Oui, voilà, bien sûr. On déracine. Mais cette idée italienne, là. On va jusqu'à la base. Demain, on va interdire aux gens de porter leur nom. On va créer comme ça. Certains peuvent apparaître comme une provocation, comme évoquant un Français de souche disparu, n'est-ce pas ? L'avenir de l'humanité nomade rêvé par Monsieur Attali, de l'humanité hors sol, semble bien se porter par les temps qui courent. Cela dit, il y a quelques endroits, on l'a vu récemment en Corse, où il y a quelques réactions quand même. Il y a des réactions. À ce genre de tentation. Et donc, vous pensez, Ronald Secher, vous faites confiance à la justice de votre pays là-dessus ? Oui, mais parce qu'on va aller jusqu'au bout. C'est un problème majeur. Vous savez, c'est ce que j'appelle le remembrement des noms. Vous vous en souvenez, il y a une trentaine d'années, on avait fait le remembrement des terres. On a vu la catastrophe. Catastrophe absolue. Bon. On fait des disparaître. Et là, c'est exactement la même chose. On est en train de remembrer les noms. Ça provoque des douleurs. Moi, j'ai vu plusieurs habitants de la chapelle Basse-Mer lorsqu'ils ont pris conscience qu'on leur avait arraché sans concertation leur nom, pleurer. Ça ne m'étonne pas. Pleurer. C'est leur identité, parce que ces gens sont nés à la chapelle Basse-Mer, ils sont allés, ils ont vécu toute leur vie à la chapelle Basse-Mer, et du jour au lendemain, eh bien, on leur arrache leur nom, on leur arrache leur identité. Oui. Mais alors, il y a d'autres communes qui sont concernées dans le cadre de ce regroupement. Est-ce que les réactions sont analogues dans ces autres communes, si elles sont peut-être moins chargées d'histoire ? Alors, ce qui est très intéressant, en fait, on regroupe deux communes, simplement. Mais la deuxième commune, la seconde commune, faisait partie du territoire de la chapelle Basse-Mer et n'a jamais été paroisse ou commune indépendante jusqu'en 1868. Oui. Ce n'est qu'en 1868 qu'elle a demandé sa sécession. Et en fait, lorsqu'elle se regroupe avec le bourg de la chapelle Basse-Mer, ce n'est qu'une reconstitution d'un territoire initial. Et donc ça paraissait logique de retrouver le nom ancien, la chapelle Basse-Mer et Barbechard. Et puis quand on explique ça, aux conseillers, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, parce qu'ils sont dans cette logique nouvelle de l'homme nouveau, etc. Aucun écho au niveau de la classe politique locale. Aucun écho au niveau de la presse locale. Alors la presse n'a fait que commenter la chose, mais n'a pas été dans le fond du problème. Ils se sont rendu compte que le problème de la chapelle Basse-Mer est un problème national. Il faut voir les noms avancés, les noms créés de toutes pièces. Les communes circonvoisines, par exemple, se sont regroupées pour donner le nom de nouvelles entités, en Anjou, l'Orédon joue, etc. C'est complètement absurde. Alors que
Il faut les regroupements, mais oui, tout naturellement, il faut choisir le nom de, c'est pour moi la solution, le nom de la principale localité qui s'impose à tous, voilà, et avec, comme on a fait à Saint-Malo, par exemple, avec Saint-Servan, Rotonneuf, oui, etc. Oui, faire des comme économies. On a fait à Paris, ça s'est imposé, Paris s'est imposé à tout le monde, et tout le monde sait où est Paris. Mm-hmm. Et oui, même s'il y a les villages de Passy, de Gironnet. Et puis les anciens villages de Paris correspondent à des arrondissements, Vaugirard, Belleville, On a eu la même chose avec les régions. Ces régions découpées n'importe comment qu'on a actuellement. Et il y a quelques années, c'était les blasons de ces nouvelles régions qui semblaient dessinés par des élèves de petite classe. Oui. N'importe quoi, avec du bleu, du vert. Enfin, mais l'important, comme le signalait Réa Sécher, il s'agit de couper les racines, leurs traditions, de leurs racines. Ça m'évoque vraiment les temps de la Convention où les villes s'étaient débattues. C'est révolutionnaire, c'est une idée jacobine, il faut couper les racines. Si on ne bloque pas ce processus maintenant, eh bien, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont capables de faire dans l'avenir. Oui. Tout est possible. Donc, si on s'attaque au nom des communes, on va s'attaquer au nom des personnes. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais c'est le danger de demain. Mais oui, une humanité correspondant à un numéro. Oui, on aura un numéro sous la peau. Ça sera beaucoup plus facile à exploiter et à surveiller. Big Brother pourra se mettre à l'œuvre. Exactement. La puce sous la peau, le numéro INSEE. En tout cas un excellent combat, mais ce n'est pas le seul que vous menez. Vous avez mené celui pour la restitution de la mémoire vendéenne avec un succès certain. Vous n'avez pas été seul dans cette affaire, je pense, notamment à Philippe de Villiers, à ce qu'il a fait également sur ce terrain, mais le résultat en tout cas est là. On se souvient de ce qu'il en était à ce sujet il y a seulement une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. C'est vrai. La place qu'occupaient les guerres de Vendée dans le Malaisac, pour résumer les choses, à l'époque où on apprenait l'histoire quand même, puis de manière sérieuse. je dois dire que là, les choses se sont passées d'une manière remarquable et c'est un encouragement, parce que ça montre que là où il y a une volonté de résistance, une volonté de faire durer une mémoire, d'affirmer une identité, eh bien le résultat, on l'a vu à travers d'autres phénomènes. Pensons à la Première Guerre mondiale, dont on pensait qu'elle allait s'estomper au fil du temps. On voit depuis une trentaine d'années un regain d'intérêt absolument spectaculaire qui culmine aujourd'hui avec le centenaire. Ça montre que nos contemporains et nos concitoyens sont en fait avides d'histoire, éprouvent le besoin de s'enraciner dans une mémoire commune. – Philippe de Villiers, qui était pour moi un véritable homme d'État, ce n'est pas un homme politique, c'est vraiment un homme d'État, a parfaitement compris cela. Et quand on voit ce qu'il a pu faire en Vendée avec le parc du Puy-du-Fou et la Chine et Sénie, c'est extraordinaire, parce que ce n'est pas seulement un parc, mais c'est une addition de création exceptionnelle et qui a donné vie au pays. Il faut voir le nombre d'emplois qu'il a pu créer grâce à son idée. Sans aucune subvention publique. C'est lui qui donne. Et qui gagne de l'argent en plus. C'est une opération qui permet de dégager des bénéfices. Comme Philippe de Villiers en France. Et la France est sauvée. Ça changerait quelque peu la physionomie du pays. D'autres pays l'ont compris, notamment la Russie. Voilà. C'est bien d'accord. Si ce n'est un résultat malheureux en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avions une candidate qui souhaitait s'inspirer de Philippe de Villiers pour installer un parc culturel mais ça n'est que partie remise. En Provence, mais nous sommes certains que ça n'est que partie remise. Hors norme. Alors, un combat magnifique que celui que vous avez mené avec du résultat. J'espère qu'il en ira de même pour celui que vous menez à propos de ce nom qui vous est si cher de la chapelle Basse-Mer. Mais vous menez aussi un autre combat, non moins intéressant, non moins utile et nécessaire, c'est celui de la transmission de l'histoire, car outre vos ouvrages historiques, savants, érudits, vous vous êtes lancé dans la
production de bandes dessinées historiques, et je crois avec un certain succès, en termes de résultats, en termes commerciaux. Donc nous voulions vous interroger également sur cette démarche, sur ce que peut représenter ce média particulier qu'est la bande dessinée en matière d'histoire, quels sont les résultats obtenus, ceux que vous escomptez, les motivations qui vous ont poussé dans ce sens, à vous engager dans cette production un peu particulière. Pour un éditeur, vous n'avez pas le profil à faire de la BD. Non. Bon, au départ, si l'on considère vos premiers ouvrages. Donc, pourquoi la bande dessinée ? Alors, je vais vous surprendre. L'idée n'est pas du tout de moi. C'est à la suite du succès inimaginable de mes deux premiers livres, qui sont en fait les éditions de mes deux thèses, ma thèse de troisième cycle et ma thèse d'État. Vous pouvez rappeler le titre. Le titre de ma thèse de troisième cycle, c'était justement La Chapelle Basse-Mer, village vendéen, et le sous-titre était un sous-titre très scientifique, Révolution et contre-révolution. Et d'ailleurs, on est dans le cadre de la Révolution. Ouais. Bien. Et à partir de cette première thèse dite de troisième cycle, on a fait une thèse dite d'État, le génocide franco-français, la Vendée vengée. Et ça avait été un succès immédiat, vous l'aviez dit tout à l'heure dans l'introduction, grâce à Pierre Chenu, qu'il a fait éditer dans cette maison prestigieuse à l'époque, qui était le PUF, et ça a été un succès instantané. Et un jour, à Nantes, je donnais des cours à l'IRCOM. Je suis allé voir des amis, et notamment la femme qui travaillait avec les petits m'a attiré l'attention sur le fait qu'il fallait travailler les générations futures. Et elle m'a proposé comme solution la bande dessinée. Alors moi, j'ai été élevé par les eudistes, donc ça ne faisait pas du tout partie de l'enseignement. Donc je me suis intéressé à la bande dessinée, et après j'ai fait une enquête. Qu'est-ce que c'est la bande dessinée, comment elle était perçue, etc. Et à l'époque, j'étais professeur et j'ai travaillé avec mes élèves. Et là, je me suis rendu compte que lorsqu'une BD arrivait dans une famille, elle était lue par tout le monde. Et j'ai même fait une étude rigoureuse sur les coefficients de lecture, et je me suis rendu compte que lorsque une BD arrivait, elle était lue en moyenne par 11 personnes. Donc, je me suis dit, effectivement, il faut travailler la bande dessinée. Alors évidemment, après, il a fallu trouver l'éditeur, etc. Et à l'époque, toujours grâce à cette famille, Vallier, pour ne pas la citer, j'avais eu rendez-vous avec le directeur de Fleurus, l'abbé Berthier, connu à l'époque, notamment en raison de ses éditoriaux sur RTL. Et qui n'était pas forcément intéressé par cette approche de l'histoire. Puis on a passé un deal entre nous, je m'engageais à en vendre 4000, et ce qui payait, bien entendu, la production, la réalisation de la bande dessinée, et puis si ça marchait, on en ferait une deuxième, voire une troisième. Et en fait, ça a marché. On a fait une première BD sur la Vendée, une seconde sur la chouannerie. Je dis seconde parce qu'il n'y a pas eu de troisième avec la maison d'édition, parce qu'il a quitté son poste et le nouveau directeur n'était pas du tout intéressé par cette approche. Et c'est après qu'on s'est dit, il faut continuer. Et j'ai créé ma maison d'édition, Reynald Secher Édition. Et puis on a commencé à produire d'autres BD historiques, l'histoire de la Bretagne, puis après l'histoire de France. Et après, on a fait des biographies sur Charlemagne, sur Louis XIV, etc. Puis, comment dire, qui dit production dit, bien entendu, création d'un circuit de vente, etc. Alors moi, je ne connaissais rien du tout en la matière, et donc j'ai découvert ce métier au fur et à mesure des années. Et c'est vraiment un métier passionnant. Alors, pour revenir à la BD proprement dite, eh bien, il est clair que lorsqu'une BD arrive dans une famille, elle est partagée. Ma plus vieille lectrice, à l'heure actuelle, a 99 ans. Je ne fais pas d'argent avec elle parce que je lui envoie, c'est un symbole pour moi, et elle me la commente régulièrement, de manière d'ailleurs assez incisive.
et constructive. Et donc j'ai continué à travailler dans ce sens-là. Et la première spécificité, c'est le coefficient de lecture. Puis la deuxième spécificité, c'est qu'une BD n'est jamais jetée. Elle reste dans une famille, contrairement au livre. Et on se l'échange, on se la transmet. Hein, et les premières BD que nous avons éditées en 1988 ont toujours encore un impact. Et ça a aussi transformé un certain nombre de vies. Ah ben, ouais. J'ai eu le plaisir d'être à côté de vous lors d'une vente à Renaissance catholique, pour ne pas le nommer, et de voir comment les enfants, même des petits-enfants de 6-7 ans, étaient attirés par ces BD. Et je me souviens d'un petit garçon qui avait peut-être 7 ans, disant à son père... François Ier, il est mort, François Ier. Oui, c'est très intéressant parce que, en fait, une BD est un support partagé aussi bien par l'enfant, les parents et les grands-parents. Oui. Et d'ailleurs, de 7 à 77 ans. Oui, de, oui. Bah, à 99. Pour Tintin, oui. Et ça commence tôt. Hein, parce qu'en fait, il y a trois dimensions dans la bande dessinée. Hein. Il y a l'image. Hein, qui attire spontanément. Qui attire spontanément. Parce qu'elles sont belles, bien faites. Il y a la bulle, proprement. Et puis, il y a l'alliance des deux. Bon, et c'est un impact considérable. En fait, ce sont des fiches de lecture. Alors, deuxième dimension, parce que lorsque j'étais professeur dans les années 1980-86, puisque j'ai été sommé de donner ma démission... Ah bon? Oui, à l'époque, on était en pleine régénération de l'enseignement national. Bien. Vous étiez trop réac? C'est à la suite de la publication de ma thèse sur le génocide. Oui. Les syndicats ont demandé peut-être... Mais il faut préciser, vous allez peut-être me confirmer, c'était dans un établissement privé. Privé. Sous contrat. Ah, contrat. Ah oui. Mais ceux qui ont dit long sur l'état des lieux. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Vous savez, les mots ont une signification profonde. Éducation nationale, ça veut tout dire. Et donc, je préférais l'instruction publique. Et donc déjà, se mettait en place cette idée qu'il fallait détruire. Je reprends encore une expression que j'aime beaucoup chez Philippe Duvillier, les murs porteurs de l'histoire. En fait, c'est la méthode globale qui s'est imposée en histoire et qui s'est substituée à la méthode syllabique. Alors la méthode syllabique s'appuie sur quatre critères. Premièrement, la chronologie. Deuxièmement, la cartographie. Troisièmement, les hommes. Quatrièmement, les événements. Et donc, on a voulu tuer cela pour créer la méthode globale, thématique. Et ces quatre murs porteurs, pour prendre cette expression, qui est une très jolie expression, ces quatre murs porteurs ont été balayés par l'éducation nationale. Et à travers ces BD, c'est ça que j'ai mis en avant. Et parce que les BD se divise en quatre parties. Premièrement, une partie tout à fait classique qu'on trouve dans tous les livres, c'est-à-dire la présentation de contenu du livre. Deuxièmement, un éditorial. Troisièmement, un tableau chronologique. Et quatrièmement, bien entendu, le récit proprement dit, c'est-à-dire les 44 pages illustrées. Et donc, lorsque on lit cette BD, on embrasse ces quatre murs porteurs. Et vous avez vu lors de cet échange avec mon public, j'explique aux parents comment il faut qu'ils exploitent eux-mêmes la bande dessinée. Et à l'enfant, puisque vous avez été présent, j'ai expliqué à l'enfant qu'il fallait qu'il joue avec ses parents pour leur apprendre les dates. Et en fait, tout le monde utilise cette BD sous forme ludique, mais en même temps, ça a un impact structurant. C'est formidable, c'est la meilleure façon d'intéresser les enfants. Et vous êtes à combien d'albums maintenant? Alors nous sommes à l'heure actuelle à plus de 30 albums, 32 exactement. Alors on a de l'histoire, liée aux hommes et aux événements. Par exemple, on a fait une BD sur Verdun qui était passionnante parce que j'ai travaillé avec le directeur du mémorial de Verdun, le colonel Pierson. Que nous connaissons bien. Passionnant. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait sollicité pour faire cette BD. Donc, et on est allé. Bonjour Xavier, si nous écoute. Bonjour Xavier, si nous écoute.
Et nous sommes allés sur le terrain, il m'a initié directement sur le terrain. Et donc ça donnait naissance à cette bande dessinée. Donc un événement, on avait fait la Vendée, on avait fait la Chouannerie. La BD Vendée a eu un impact considérable, puisqu'elle a été publiée par un certain nombre de journaux, de revues, de journaux comme Presse Océan, de revues comme Famille Chrétienne. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors l'histoire aussi des provinces, comme l'histoire de la Bretagne, qui a été publiée pendant plus d'une année par Ouest-France sur les 5 départements bretons. Et ça représente en combien d'albums cette histoire-là ? 10 albums. En 10 albums. 10 albums. Ah oui, c'est considérable. Et avec un résultat au bout du compte commercial, le bénéficiaire. Vous savez, c'est très difficile de rentabiliser une bande dessinée parce que l'investissement est considérable. Je ne peux pas vous dire les prix et l'option que j'ai retenue est les petits prix, c'est-à-dire on les vend à 12 euros. Bon. Alors, j'ai vu beaucoup de gens en acheter 5, 6. Absolument, c'est grâce justement à ces petits prix. Bon. Et donc l'histoire des régions, alors l'histoire bien entendu de la France, alors nous sommes rendus au 5e volume, j'espère qu'en 2016 on fera paraître le 6e et le 7e, je ne vais pas aller au-delà financièrement, et puis bien entendu les biographies, alors les biographies relatives aux personnes d'État, je pense aux rois, mais aussi parce que je crois que figure d'exception. Oui, des hommes de déception. En fait, ce sont les personnages que l'on a voulu gommer dans notre histoire. C'est ce que j'appelle les hommes paliers. Vous savez, ceux qui ont fabriqué l'identité française. Il y en a une vingtaine, grosso modo. Alors, je me suis plutôt attaché. Vous avez qui en tête pour 2016 ? Alors, comment les gens que l'on connaît de manière classique, structurant. Vous savez, Clovis, Charlemagne, Hugues Capet, Saint-Louis, Louis XI, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'État. François Ier, c'était l'année du 5e de centenaire. Je confirme au petit garçon, il est mort, François Ier. Ensuite, il y a Henri IV, quelqu'un qui, pour moi, est un très grand homme d'État, Louis XIII. Méconnu. Méconnu. Totalement méconnu. Vous avez une galerie déjà extrêmement riche. Alors, vous avez bien entendu Louis XIV, Louis XVI par nature. Après, vous avez Napoléon Bonaparte. Napoléon III, qui est un homme clé, puis on peut glisser après. Après, ça se gâte un siècle. Peu. Il y a Charles de Gaulle, évidemment. Et comment, nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent se procurer ces BD? Alors, c'est assez compliqué, je dois reconnaître, parce que les libraires ne savent pas positionner ce genre de BD dans les librairies. Et en fait, il a fallu penser au circuit de distribution. Et on a deux niveaux. On a le monde de la distribution. On a confié ça à un groupe spécialiste, AVM, qui lui travaille pour l'essentiel les maisons religieuses. Alors, on a un mal fou, évidemment, d'accéder à ce qu'on appelle aux librairies de premier niveau. Donc, c'est très difficile d'accéder à des grands groupes comme la FNAC, etc. Il a fallu repenser le niveau, donc on a travaillé tout ce qui était hors librairie, notamment les écoles. On travaille beaucoup avec les écoles hors contrat. Tout à l'heure, vous parliez du problème des écoles sous contrat ou des écoles d'État. Alors, c'est quasiment inaccessible pour des raisons objectives. Par Internet, peut-on vous… Alors, on a travaillé, bien sûr, au niveau des associations, au niveau de certains magasins qui n'ont rien à voir avec la librairie. Et puis, bien entendu, c'est notre premier marché, c'est Internet. Alors, Internet, parce qu'on peut les commander directement à la maison d'édition, Rénale Sécher et Édition. Rénale Sécher et Édition. Voilà, tout simplement. Et à l'heure actuelle, c'est notre premier marché. Et je dois reconnaître que c'est ce marché qui nous donne l'argent pour pouvoir continuer à œuvrer et à créer. Merci. Merci beaucoup, Rénale Sécher. Bravo pour tout ce que vous faites. Tout cet engagement, tous ces combats. Donc, je rappelle, Rénale Sécher Édition. Vous tapez sur Internet, sur Google, et vous pourrez ainsi vous procurer ces BD qui sont extrêmement précieuses.
pour la perpétuation de notre mémoire. Merci. Bien, merci, chers amis téléspectateurs, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.